faire. Parce que là, je monte pas avec n'importe qui, là. Et je pense que c'est une dinguerie. Bah, là, je monte avec des pilotes les plus jeunes du monde, en fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Sport automobile pour les choses, c'est le donut, c'est le beignet. Ça régale, c'est un truc de dingue ce qu'on voit. Oh là 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 là. Du bruit, même chez vous. I went slow in the pit lane. Then I could hear that. I said, okay, does that mean I wait, I go, I what the hell do I do? It's generally freestyling, mate. Yeah. But I think it was cool. Like in the end, they got cars like all the parts every 40 seconds. Because they could look back. Yeah. That's what I said. I was going super slow as well. I said you'd gone, so yeah. Straight as well. Yeah. Like, no. And then I let it go. Yes. It's so nice. Crazy. Compared to the noise. Ah non, mais là, quand vous êtes parti avec les fans, le bruit, les gens, c'était incroyable. Merci pour la confiance. Le câble.
Attention, vous allez faire une bagarre malade. Ça va le faire. Régale-toi. Le 9 septembre 2023, le GP Explorer, deuxième édition. C'est parti. Alpine qui va finir cette course en étant le deuxième gagnant du GP Explorer. Du bruit pour Debiello qui a complètement éteint la concurrence cette année. Quelle course incroyable! Quelle course incroyable! Je touffe, en vrai j'étais déjà venu pour la première édition, là du coup j'avais certaines attentes, mais honnêtement c'est encore bien plus. En plus j'ai eu la chance de rouler en F2, enfin, voilà, d'être invité, de faire le show, donc voilà, avec Esteban et Pierre en plus, avec la F1 juste après. Ben, j'ai kiffé, on veut une ambiance comme ça nous sur les circuits. Et ouais, je pense qu'il y a autant d'engouement parce que tout le monde est français. Il y a Alpine qui vient, français, Esteban et Pierre français, tout le public français, tous les youtubeurs français, enfin c'est juste tout. Donc non, j'espère que ça peut ramener que du positif au sport auto, et merci à Alpine pour la journée et des Piolos qui gagnent, donc ça termine bien. France qu'on aime, une France qui nous rend fiers de ce qu'on accomplit.